الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن من يهده الله تعالى لنور الإيمان والإسلام فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. باب فضل لين الجانب وسهول الأخلاق وقرب المأخذ والتواضع. C'est un chapitre que At-Tabarani a abordé au sujet de d'être doux et humble avec les gens et le fait de pratiquer la simplicité, la modestie avec les autres. حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني مصعب بن عبد مصعب بن عبد الله بن الزبير حدثنا أبي عبد الله بن مصعب عن هشام بن عروة عن محمد بن المنكدر عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم على من تحرم النار على كل هين لين سهل قريب. الطبراني a rapporté par sa chaîne jusqu'à Muhammad ibn Kadir de Jabir, le compagnon de messager de Dieu alayhi salat wa salam, a dit: voulez-vous que vous que je vous indique qui n'ira pas à l'enfer? Qui n'ira pas à l'enfer? Toute personne qui est doux, qui est humble, modeste, proche des cœurs des gens, et qui n'est pas compliqué, qui n'est pas, tu n'as pas besoin de, pour se communiquer avec lui, on dit ici des pincettes. Des fois, il y a des gens qui veulent parler, tu prends les pincettes, sinon, chaque fois tu veux, tu peux avoir. Alors là, non, sahel, c'est quelqu'un qui n'est pas compliqué, qui n'est pas difficile. Si tu as mal exprimé, c'est pas grave. Si tu n'as pas fait une certaine protocole, c'est pas grave. Tu vois, c'est quelqu'un qui est proche des cœurs des gens et il ne complique pas les choses pour les gens et il est plutôt doux et humble. Alors, il vise Sayyidina Muhammad par cela, la personne qui a un bon comportement, et il vise dans le bon comportement le fait que la personne qui se pratique avec les gens avec douceur, avec modestie, avec simplicité, il n'est pas compliqué, il n'est pas difficile, et il n'est pas quelqu'un de très dur ou de méchant avec les gens. قال حدثنا مسعدة بن سعد العطار المكي حدثنا إبراهيم بن المنذر حدثنا محمد بن عمار المؤذن عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المؤمن هين لين تخاله من اللين أحمق. طيب يعني من كثرة لينه يخيل إلى بعض الناس أنه أحمق ولكن ليس كذلك إنما هو لين ولا يقابل الإساءة بمثلها ولا يتعاطى مع الناس بالأذى وبالفحش من القول لا. هذا حديث على كل ضعيف ومعنى قوله أنه هين لين يعني التعامل معه ليس فيه مشقة ليس فيه صعوبة ليس فيه مشقة. Alors الطبراني a rapporté de سعيد المقبوري de أبو هريرة رضي الله عنه que le prophète عليه الصلاة والسلام a dit le croyant est une personne qui est humble, qui n'est pas dur, qui est doux, qui est, tu يعني certains croient de ça douceur et sa gentillesse qu'il est idiot. Mais il n'est pas comme ça. Mais certains pensent de sa gentillesse, de sa douceur, de sa simplicité, de sa modestie qu'il est idiot. Alors, le hadith est faible, mais nous, on est en train
de rapporter les hadiths qui sont faibles au sujet du bon comportement. Et pour dire que être très doux, être clément, être simple avec les gens, qui n'est pas dur, de ne pas être méchant, tu n'as pas le fait de se communiquer avec lui, c'est pas difficile. Tu peux parler avec lui sans problème. Il y a des gens qui disent c'est difficile. Des fois, il y a des gens, tu lui parles, il ne répond pas. Et il a bien entendu, proche, il ne répond pas. Tu lui répètes, il te parle méchamment. Des fois, mais alors là, le croyant que le prophète a loué, il n'est pas comme ça. Il est une personne simple, et il est une personne modeste, et il est une personne facile à se communiquer, et il est très doux, très gentil. بعض الأحيان الإنسان بالكلام الحلو بالكلام الطيب يصل إلى شيء عظيم. يعني أعطيكم مثال. Je vous donne l'exemple. خرج إنسان إلى أمير يريد أن يتبرع له بمال من أجل عمل خيري مدرسة أو نحو ذلك. Une personne, en donnant l'exemple de savoir parler, savoir absorber et répliquer par la douceur. Alors, une personne est sortie vers un amir, un homme très riche, et il a été chez lui pour parler d'un projet de bienfaisance, une école ou quelque chose pareil à ça. Alors, l'amir, soit il est fâché ou il n'était pas content, il a crié, il a hurlé, il a craché sur lui. بزق عليه. فهذا الرجل الطيب الفهيم, cet homme modeste, cet homme intelligent et sage, il a pris, il a essuyé. قال, il lui a dit, هذا لي فماذا لله. Il a dit, la cracha, c'était pour moi. Alors maintenant, qu'est-ce que tu donnes pour Allah Ta'ala? La cracha, c'était pour moi. Voilà, je l'ai enlevé. Qu'est-ce que tu donnes pour Dieu? Le prince était bouleversé du haut en bas. Il n'attendait pas une réponse comme ça. N'attendait pas une réplique comme ça. Il a été vers le coffre, il lui a pris par la main. Il a ouvert le coffre, il lui a dit, prends ce que tu veux. Tu vois la sagesse. Parce que tu es l'akhir, tu es أن تخدم الإسلام والمسلمين وهؤلاء بعض الأحيان بيكون عندهم كبر وعندهم ترفع. Toi tu veux servir l'islam et les musulmans, et ces gens-là qui ont l'argent, des fois ils sont orgueilleux, des fois ils dénigrent les pauvres. Alors celui-là, il a su comment le toucher. La cracha, c'est pour moi. Mais qu'est-ce que tu vas faire vis-à-vis de Dieu? Tu donnes quoi à ton Seigneur? Si tu as craché pour moi, ça je l'apprends. Qu'est-ce que tu donnes à Dieu? L'autre là, il s'est trouvé vraiment, comme on dit, choqué par ça. Il lui a offert le coffre, il lui a dit, prends ce que tu veux, délaisse ce que tu veux. Voilà, je ne te dis pas, arrête. La aqul laka qif, khuz ma shi't, wa da' ma shi't. Haddathana Abu Yazid, Yusuf ibn Yazid. Haddathana Asad ibn Musa, haddathana Muawiyat ibn Salih. عن ضمرة بن حبيب عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي عن العرباض بن سارية صحابي اسمه العرباض السلمي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن كالجمل الأنف إن قيل انقاد وإن سيق انساق وإن استنيخ على صخرة استناخ. بالعربي الجمل الأنف هو الجمل الذي ثقب أنفه فأدخل فيه الحبل فيصير مطواعا ولو كان صبي يقوده يمشي معه لو قال له يعني أشار له للجلوس على الصخر يجلس إن قيدا قاد إن سيقا ساق ذهب من هذا الطريق يمشي يطيع سيده يطيع من يقوده ولو أمر أن يقعد على صخر يقعد على الصخر. النبي شبه المؤمن بهذا الجمل الأنيف ما لم يكن إيش حرام ما لم يكن معصية. العرباض بن سارية je vais le parler, c'est un compagnon. Alors de عبد الرحمن fils de عمرو السلمي, de العرباض fils de سارية السلمي, que le messager de Allah عز وجل a dit. Le Nabi a dit, le croyant comme le chameau qu'on a
trouer son nez pour passer la corde. Si on le tire, il vient avec nous, il est soumis. Si on lui demande de marcher derrière nous, il marche derrière nous. Si on lui ordonne de s'asseoir sur une rocher, il s'assoit sur une rocher. Le croyant, il est comme ce chameau dont on a trouvé le nez. Après, le chameau, il veut pas qu'on lui fait du mal. Alors c'est pour cela, un enfant, il peut le tirer. Un enfant, il peut le conduire. Un enfant, il peut le prendre en voyage. Et ici, on lui demande de s'asseoir sur un rocher qui n'est pas reposant et il s'assoit. Alors Sayyidina Muhammad, il donne la comparaison d'un bon musulman avec ce chameau que on a passé la corde par son nez, par le fait que tu collabores avec moi, tu dis on va aller vers telle personne pour visiter, je vais avec toi, c'est un bien. Bon, on va aller quelque part pour donner une leçon, on y va. On va aller vers tel vieux pour lui donner un peu coup de main, on y va. Yani, voilà, dans le bien, on marche. Donc, mais tant qu'il n'y a pas de haram, là, on y va, on y collabore, on s'entraide. Mais lorsqu'il s'agit de quelque chose qui est haram ou interdit, il faut dire non. Il ne faut pas être comme un chameau, anif, que dans le haram. Là, هذا لا يصلح. هذا بيرجع من صين أول ضعيف شخصية. Celui qui va avec ses amis dans le haram, on dit il a une faiblesse dans la personnalité, il a un manque dans le raisonnement. هذا ضعيف الشخصية, ضعيف التفكير. قال له صاحب نمشي نروح على الحرام بروح على الحرام. قال لك امشي كذا حنروح هيك حد المرقص شوي. La haddou, voilà, tu me gagnes le tari. Des fois, tu vois, il lui dit, on va aller, tu vois, tel dancing, on va s'asseoir debout, dehors, on va pas rentrer dehors. Mais non, tu passes pas. Alors, ma bdi alkom. Bad, man dakhala fil islam, ana khali nihki bad, man doun zukura ou inath. Mais certains qui ont embrassé l'islam, askif, ou بعد des années, ils ont passé à côté de disco et ils ont été attirés comme Chosmoul Martani, c'est comme le diamant, comme le hein? Les aimants. Il est rentré et par de suite, il a apostasié de nouveau de l'islam. Il a quitté l'islam. Des fois, il y a certains endroits, quelqu'un il te dit viens, on vient pas. On passe à côté. Non, je passe pas à côté. Je prends bord de طريق الرجاء الصالح, tu sais, tu passes par Bab al-Mandab, Bab al-Ahmar, il y a les Houthiyin, tu passes là-bas, ils vont t'attaquer, alors tu prends le tour et tournes autour. Alors là, il y a un dancing, alors tu fais le tour et tu prends quelque chose de loin, là où il y a les pervers et les péchés et le haram, tu passes pas du chemin. Ma btumro min hat tariq hada. Hada tariq mali bil shayatin, ça, il y a beaucoup de diables. Déjà toi, il y a le qarin, alors chacun de nous a un qarin بتاعو. فاذا يكفي يعني منه انه c'est pour cela je me mets pas dans la position délicate. العرباض بن سارية كبر في السن. Un jour, عرباض a été devenu âgé. فكان يقول اللهم اقبضني اليك غير مفتون يا رب اقبضني اليك غير مفتون. Il disait العرباض, oh mon seigneur, fais-moi que je meurs mais pas dans la fitna. Oh Allah, fais que je meure pas dans l'égarement, pas dans la fitna. Il répétait. Alors un jeune est venu, Ja'ashab, قال لا تقول هذا. Et lui dit, ne dis pas ça. Comme l'Irbad, il a cru que c'est un jeune parmi les êtres humains, il lui a dit, qu'est-ce que je dis, mon neveu? Mon neveu, c'est-à-dire ton père doit être un frère à moi. Et toi, tu es le fils de quelqu'un que je dois le connaître. Qu'est-ce que je dis, mon neveu? ماذا قول يا ابن أخي؟ قال قل اللهم حسن العمل وبلغ الأجل. Et lui a dit, dis la parole, اللهم حسن العمل وبلغ الأجل. Oh Allah, fais que mes actes sont dans le bien, fais que mes actes seront merveilleux dans le bien, jusqu'à l'heure de la mort arrive. حسن العمل وبلغ الأجل, que mes actes seront dans le bien jusqu'à la mort. ففرح العرباض. Ah, ça c'est une jolie parole, un joli dua. من تكون يا ابن أخي, qui es-tu, mon neveu? قال أنا رتائيل. أنا رتائيل, l'ange. Il lui a dit, je suis l'ange رتائيل.
الذي يسل الحزن من قلوب أولياء الله. Ma mission, ma tâche que Allah Ta'ala m'a ordonnée, je viens pour les pieux, les bons musulmans, les bons croyants, et j'enlève la tristesse, le chagrin, le malheur de leur cœur. Alors il a quitté Rata'il et Al-Irbad s'est senti bien après qu'Allah Ta'ala a fait qu'un ange l'a rencontré et il lui a dit de dire autre, ce doua est mieux que l'autre. Huwa laysa ghalat an taqul Allahumma aqbidni ilayka ghayra maftun. C'est pas faux. C'est pas faux de dire oh Allah fais-moi mourir mais pas dans la fitna. Hein? Yani, parce que si tu demandes de mourir sans fitna, mais c'est mieux d'avoir une longue vie avec les bons actes. Pourquoi longue vie? Chaque jour, il y a 5 prières. Et chaque prière est mieux que tout l'or sur la terre. Shikbir, alors c'est grand, shikbir. Si tu arrives à jeûner Ramadan, et si tu as fait subhanallah, alhamdulillah, ou la ilaha illallah, ou si tu as fait le sunan, ou si tu as lu le Quran, alors chaque jour, entahom bastatullu la wahad, عم يشتغل 8 ساعات ديجا عنده 6000 تقول له زيد ساعتين تاخذ 3 ليش لا c'est-à-dire on a dit l'ange lui a dit demande à Allah Ta'ala que tes actes soient bien jusqu'à l'heure parce que si tu auras un jour en, si tu as tu meurs en ayant 80 ans ou 90 ans c'est mieux que le fait d'avoir 60 ans et les actes sont moins. خيركم من طال عمره حسن عمله. هذا في الحديث. Le meilleur, c'est celui qui a une longue vie avec les bonnes œuvres. Celui qui a une longue vie avec les bons actes. C'est dans ce sens-là. Parce que si tu arrives à faire un jour, ou tu as 10 jours en plus, ou 20 jours en plus, et dans chaque jour, il y a 5 prières. Chaque prière, la récompense est mieux que tout l'or sur cette terre. Le jeûne de Ramadan, Allah Ta'ala sait quelle récompense dedans. Le tasbih, les sunan. Et tout ça, c'est quelque chose en plus, quelque chose en plus. J'ai dit, si quelqu'un, il travaille, déjà, il a un bon salaire, il a par exemple 6 000 par mois, on lui dit, écoute, si tu ajoutes encore 2 heures, si tu travailles 2 heures, on va le faire à 9 000. Seulement, tu ajoutes 2 heures, tu auras 3 000 en plus. Et souvent, il te dit, mais bien sûr, oui, pourquoi pas. Tu as vu, alors, parce qu'on lui a ajouté un peu, mais là, quelque 3 000 ou francs suisses ou quoi. C'est quoi ça par rapport lorsque tu dis les deux rak'at sont mieux que la terre, mieux de ce qui est sur sa terre, mieux de tout ce que il est couvert par le soleil. Khayrun mimma tala'at alayhi shams rak'at al-fajr. Ala kullin, on a dit que Al-Irbad s'est soulagé de cela et il a entendu le prophète Mohammed dire que le croyant pieux, que le croyant parfait, il est, il collabore et il écoute et il s'entraide et il peut travailler avec le groupe des musulmans dans le bien comme un chameau qu'on a troué le nez. Parce que, بالأخير, إذا أردنا الفلاح ما بتصير كل إيد تزعف لحالة. Si on veut la réussite, il faut qu'on soit ensemble et ensemble on peut faire du travail. Ensemble, l'ennemi, il a peur de vous. Mais si vous êtes diversés, divisés, chacun il a son point de vue, chacun il peut pas collaborer avec l'autre. Sur ça, l'ennemi travaille et il vous prend un après l'autre. حدث قال حدثنا أبو الزنباع حدثنا موسى بن ناصح حدثنا عصمة بن محمد الأنصاري عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى لمن تواضع في غير منقصه وطوبى لمن خالط أهل الفقه والحكمة وجانب أي ابتعد أهل الذل والمعصية ابتعد عن أهل الشر أهل مستواهم منخفض بعيدون عن الدين بعيدون عن الطاعات والمعصية وطوبى لمن أنفق الفضل من ماله ما زاد من ماله وأمسك الفضل من قوله يعني تكلم فقط بالضروري ما يحتاج والباقي أمسكه لم يقله وطوبى لمن وسعته سنتي ولم يعدها إلى بدعة
يعني اشتغل على أن يعمل بما علم النبي عليه الصلاة والسلام ولم يبتدع من عند نفسه أشياء لم تأتي بهذا الدين، لم تأتي من شريعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الطبراني rapporté par une chaîne jusqu'à Suleyman fils de Yassar de Abu Huraira رضي الله عنه a dit que le messager de Dieu عليه الصلاة والسلام a dit: bonne nouvelle à celui qui a pratiqué la modestie sans être humilié, sans aller à l'humiliation. احيانا بدك تبقى انت بدك تتواضع مع الايش مع الهيبة مع الوقار مع الهيبة من غير ان تكون ذليلا. C'est bien de pratiquer la modestie tout en ayant le charisme, tout en ayant un bon chose sur toi, qu'on voit que tu es un homme, qu'on doit le respecter, mais en même temps tu pratiques la modestie, tu n'es pas une personne humiliée, tu n'es pas une personne qui lui manque quelque chose dans sa personnalité, mais plutôt un homme très modeste, un homme, et en même temps on voit sur lui un certain charisme, une certaine valeur, une certaine personnalité et intelligence. Et toi, bonne nouvelle à celui qui a fréquenté les savants dans le fiqh et la sagesse, c'est-à-dire qui ont la science dans la religion, qui ont la science dans le fiqh. Parce que tu apprends, si tu es avec eux, tu profites de leur science, tu es avec des gens qui connaissent. Le fait de les fréquenter, toujours tu vas apprendre. Lorsqu'ils parlent entre eux, ils parlent dans le fiqh, ils parlent dans le halal, ils parlent dans le haram. Il parle des jolis conseils, des jolies paroles, il parle de l'aqida. Alors tu vas profiter par eux. Alors bonne nouvelle à celui qui fréquente ces gens-là parce qu'il va apprendre de leur science, de leur sagesse. Et qu'il a délaissé, qu'il s'est éloigné de ceux qui sont à bas niveau et des désobéissants. On n'a pas besoin d'être avec les gens qui sont à bas niveau, des gens qui sont dans le haram et les péchés. Pourquoi? Parce que tu es influencé par le comportement que tu le fréquentes. Si c'est quelqu'un qui est dans le haram et dans le péché, et quelqu'un qui est à bas niveau, tu vois, بعض الناس يعني ما عندهم أي اعتبار للدين. Il y a des gens qui n'ont aucun valeur pour la religion. Ils n'ont pas de règles, ils n'ont pas de quelque chose à respecter. Nous, on dit, oui, ce qui est dans le Coran, دستورنا القرآن, ce qui est dans le Coran et la Sunna, c'est de là, autour de ça, on vit. On vit autour de ce qui était dit dans le Coran et la Sunna. Il y a des gens qui, non, ils n'ont rien à voir avec ça. Ils disent, moi, je ne parle que les femmes et l'argent. Alors là, une personne comme celui-là, il faut prendre une distance. Il faut prendre une distance. Si tu arrives à ne pas le saluer, c'est très bien. حتى هذا الإنسان اللي ما عنده اعتبار في هذا إلا للمال وللنساء ما بيعرف إلا للمال والدنيا والأكل شهوة البطن والفرج. C'est-à-dire il a le deux plaisirs là, du ventre et de l'organe génital, et sa vie il est autour de ça. Celui-là prend une distance très loin de lui. Ça s'approcher de lui, c'est comme tu t'approches des vipères, des scorpions, des lions. C'est pas profitable du tout. Alors la sagesse, c'est le fait d'être avec les gens de la science, et tu t'éloignes de ce genre parmi les gens qui sont ignorants et qui sont dans le haram et qui ne donnent aucune importance à la religion. Alors il faut les éviter. Et bonne nouvelle à celui qui a dépensé ce qui est en plus de ses besoins s'agissant de ses biens. C'est-à-dire, par jour, tu as besoin de 30 et toi, tu trouves 10 en plus. Alors, cette 10, tu la dépenses. Bonne nouvelle à celui qui donne ce qui est en plus de ses besoins. Pourquoi? Parce que voilà, tes besoins, c'est pour le bas monde et les êtres, voilà, c'est pour l'au-delà. Ça, c'est pour la vie, ça, c'est pour l'au-delà. Ça, c'est pour la vie, ça, c'est pour l'au-delà. Si les gens disent, ça, c'est pour la vie et ça, c'est pour la vie, et l'autre, c'est pour la vie et ça, c'est pour la vie après. Après, celui-là, il fait quand pour l'au-delà? Il travaille quand pour le jour dernier? Alors, il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, bonne nouvelle à celui qui a donné ce qui est en plus de ce qu'il a besoin, de ses biens, et bonne nouvelle à celui qui a tenu
le plus de ses paroles. C'est-à-dire dans la parole, tu as parlé, tu as besoin de conclure un commerce. Tu as besoin de combien? Tu lui poses le prix. À combien tes marchandises? Deux. Savoir l'origine, d'où vient, est-ce que c'est la bonne qualité? Tu as posé, d'où vient et la bonne qualité. C'est des dates algériennes de cette année. Voilà, Mashallah, ça se voit. C'est comment dire, c'est ashqar, c'est transparent. Et on voit qu'il est en bon état, et bien emballé. Et le prix, telle chose. Alors, il y a combien? J'ai besoin d'une tonne. Et il n'y a pas de problème. Alors voilà, j'achète. Voilà, khalas. Tu prends le minimum à parler, le plus là, le plus, il faut l'arrêter. De dire, ouais, combien de fois, toujours je travaille avec ça, je gagne, si je prends le Tunisien, je perds. Et tu, voilà, où tu commences à parler, pourquoi toutes ces paroles? Pourquoi ces paroles? Peut-être cette année, si tu achètes le Tunisien, peut-être c'est mieux. Tu es en train de parler de quoi? Alors, il faut tenir les paroles que tu n'as pas besoin de le dire. Tu prends seulement les choses qui sont on a besoin de dire. Wa hakadha al-hadith wal-Qur'an ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Ce qu'on prononce est écrit par l'ange, les anges raqib et atid. Man kana yu'minu billahi wal yawm al-akhir falyaqul khayran aw liyasmut. C'est lui qui croit en Dieu et au jour dernier qu'il dit du bien, sinon qu'il garde le silence. C'est lui qui garde le silence, trouve la sauvegarde. إنك ما تزال سالما ما سكت فإذا تكلمت كتب لك أو عليك رواه ابن أبي الدنيا. Tu es en sécurité tant que tu es en silence. Si tu parles, c'est pour toi ou contre toi. C'est pour toi ou contre toi. Pour toi lorsque tu gagnes la récompense. Contre toi lorsque tu ne gagnes pas de récompense, même si tu n'as pas commis de péché, parce que du fait que tu as perdu le temps. Il n'y a pas de péché, mais tu as perdu quand même. Alors voilà, il faut tenir le plus de la parole, c'est-à-dire ce qu'on n'a pas besoin de dire, alors il faut le garder. Ce qu'on a besoin de le dire, on le dit, on lui dit. وطوبى لمن وسعته سنتي ولم يعدها الى بدعه. Bonne nouvelle à celui qui s'est occupé de prendre soin de ma sunna. Sunna هنا الشريعه. طوبى لمن وسعته سنتي. Bonne nouvelle à celui qui a pris le temps de mettre en pratique la charia que j'ai transmise, ce que je vous ai dit de faire. S'il s'agit d'obligation, il le fait. S'il s'agit de sunna, il fait de son mieux pour accomplir. Si j'ai dit c'est haram, il le délaisse. Si c'est déconseillé, il fait de son mieux de délaisser le makruh, même s'il n'y a pas de péché. Voilà. Et il ne faut pas qu'il aille vers l'innovation. Yani, mithal. Allah Ta'ala يقول وَذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا. وَذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا. Louez votre Seigneur en abondance. Souvent, beaucoup. كيف بدك تذكر الله كما جاء في القرآن والسنة. Tu loues Dieu en disant لا إله إلا الله لا إله إلا الله. Par exemple, c'est la meilleure parole. C'est la meilleure parole. Après, سبحان الله سبحان الله. Et si tu dis سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده. سبحان الله c'est un arbre en or. سبحان الله وبحمده un palmier en or. Et on a dit mieux que ça le mot لا إله إلا الله. حتى لو قلت الله الله et dans le cœur lorsque tu dis الله et tu dis par exemple أنت ربي أنت خالقي أنت رازقي أنت الغفور أنت الرحيم en disant الله, il y a beaucoup de choses que la personne médite en disant الله يا الله يا الله ou الله الله. Alors maintenant, il y en a des gens, que ce soit en pays du Cham, en Turquie et d'autres pays, ils se mettent en cercle. Alors, هذا الهز هذا ما في أي حرمة ولا حتى كراهة.
le fait de bouger, Allah, 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 il n'y a rien. Ce n'est pas interdit du tout, ça. هذا بيجي احيانا ما بيكون في تصنع بيجي مع الـ مع الـ مع القلب مع الروح des fois ces choses là il ne vient pas volontairement ça vient avec la sincérité avec le khushu avec le recueillement طيب لكن بعدين après il y en a certains qui commencent à dire Allah Allah alors ça commence à devenir haram pourquoi parce que tu as manqué le alif. Tu as manqué le alif, parce qu'il n'y a pas le... Allah, c'est pas Allah, c'est Allah, Allah. Après, حَتَّ الْهَا مَا بَعُدُطْلَا بَلْ شَبَعُدُطْلَا بَصِيرْ Oh, oh, بَعْدِينَ أَكْتَرْ مِنْهِ بَصِيرْ هَذَا مَنُّ ذِكْرْ Mais ça, c'est pas un ذِكْرْ, ni Allah, ni A, ni E. عَفْتْ كِيبْ وإذا أنت بتدخل معه بتقول الله الله طلعوا فيك هيك شو أنت ها فدون لسيركل تفي كم نو بس ما عم تذكر الله ذكرا صحيحا ونلوي با الله سبحانه وتعالى كم يلفو نو نكسب با التمي دور حتى نقول آه اسم للأنين والتأوه روحوا للغة العربية آه اسم للأنين والتأوه آه J'ai mal quelque part, c'est pour Shikaya, pour Tawo, j'ai mal, j'ai une certaine douleur. Ce n'est pas un nom parmi les noms de Dieu. Lakin, il y a des gens qui ont allé dans, en délaissant As-Sunna pour aller vers le Bid'a. Alors ça, il ne faut pas faire. Hada al-Nabi qal, wa touba liman wasi'athu sunnati wa lam ya'duha ila Bid'a. Bonne nouvelle à celui qui a pratiqué les choses comme j'ai enseigné. Est-ce qu'on a rapporté que Sayyidina Muhammad alayhi salatu wa salam a fait le zikr en disant Ah, ah, ma'azallah. Encore non plus. Taïb shuhada. Law kana hadha huwa al-haq, lima lam yaqulhu Rasulullah. Si c'était quelque chose de juste, le prophète allait le faire, mais ce n'est pas juste. Hadha kulluhu batil. Hadha kulluhu batil. Tiji ba'd al-ahyan, ba'd al-firaq al-dalle. بصيروا يقولوا لك شو خلص نحن منصلي بالليل ما منصلي الخمس دروز بدو يقول لك ما دروز بقول لك نحن il n'y a pas cinq prières nous on fait une prière salat sirr on fait la prière en secret mais ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا اقم الصلاه طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات alors dans le Coran il y a les heures de la prière et dans la sunna, le prophète a fait les cinq prières en groupe, dans la mosquée, même dans la maladie ou après laquelle il est mort. Il a essayé de la faire à la mosquée et il n'a pas dit on fait la prière quand vous voulez, on secrète la nuit, tu n'as pas besoin de faire les cinq prières. Alors Sayyidina Muhammad a dit bonne nouvelle à celui qui a mis en pratique ma sharia, qui n'a pas été vers le bid'a. Qui n'a pas été vers le bid'a. بعض الناس شو بيقولوا قاعد انتوا اهل الظاهر انتوا اهل الظاهر نحن اهل الباطن كذابين هذه الشريعه كل النصوص التي جاءت في القران ولس على السهي على الظاهر لا تؤول الا ان كان هناك دليل عقلي او نقلي يحتم ذلك. Alors, et ces gens, elles disent, oui, vous êtes les gens qui prenez l'externe, c'est-à-dire tu vois le noix, les noix, toi tu prends la peau, le bois là, nous on prend le noyau. Il prétend, c'est un faux exemple qu'il a donné, mais plutôt celui qui met la pratique de charia qui prend le noyau, celui qui a délaissé charia qui a pris la peau, et vous avez délaissé à charia. Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'il nous a dit dans le Coran, Sayyidina Muhammad, ce qu'il a dit dans la Sunna, il faut le prendre selon l'apparence, sans aucune interprétation. On n'interprète jamais un texte dans le Coran ou la Sunna, sauf s'il y a un argument dans le Coran et la Sunna qui implique cela, qui nécessite ça, ou un argument rationnel. Sinon, tous les textes selon l'apparence. Az-zina, voilà. Vous savez c'est quoi az-zina, la fornication? C'est le fait d'aller avec une femme, avoir des rapports sexuels avec une femme qui n'est pas l'épouse. C'est ça, Zina. Mais les autres, là, qu'est-ce qu'ils ont dit à Zina? Zina, c'est désobéir à notre imam.
Ça, dans la langue arabe, ce n'est pas valable. Dans la langue arabe, azina, ce n'est pas désobéir à ton imam. Toi, tu as falsifié. Tu n'as pas été dans l'interne. Tu as falsifié. Elle dit as-salat. As-salat, c'est obéir à notre imam. C'est pas accepté dans la langue arabe. Al-Qur'an est révélé dans la langue arabe. Sayyidina Muhammad a parlé la langue arabe. Dans la langue arabe, c'est pas as-salat, obéir à notre gouverneur. Non. As-salat, c'est dans la langue arabe, c'est l'invocation, dua. Et dans le shara, c'est des actes bien déterminés, débutés par at-takbir, terminés par at-taslim, avec des piliers et des conditions que Allah Ta'ala a ordonné et le prophète a transmis. Alors si quelqu'un il veut nous prétendre que chaque texte, et il prétend il a un intérieur, et c'est l'intérieur, c'est pas la langue arabe qui le confirme, alors c'est un menteur, falsificateur, tricheur, mécréant. هذا الذي يقول هذه النصوص لها ظاهر ولها باطن وهذا الباطن لا يشترط أن توافق عليه اللغة العربية لا قد يكون هذا الباطن المراد شيء آخر لا ليس مقرا في اللغة العربية فهذا زنديق كافر ملعون خبيث فاجر وهذه الفرق الضالة من الباطنية والنصيرية والدروز وكذا على هذا يحرفون الكلم عن مواضعه يخرجونه عن معانيه في اللغة العربية وبالتالي يعبدون غير الله ils adorent autre que Allah Azza wa Jal. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.